Beaujon qui font de la planche à roulettes. Parce que justement, c'est un autre feeling qui est complètement nouveau. Aujourd'hui, j'ai essayé deux modèles de planche. Le Starner. Puis le premier. Je te dirais que le premier était plus facile à manier que le Stunner. On peut voir que la spatule en haut est encore plus grande. C'est important aussi de justement mettre son poids plus à l'arrière sur la planche. J'ai vu différents types de longboards, c'était des longboards de carving, des longboards faire du downhill, mais ça, c'est vraiment concentré sur le carving, c'est fou. C'est important de commencer, mettre ton pied au centre de la planche, parce que si tu mets ton pied trop par l'avant, ta planche est vraiment pas en équilibre. Donc c'est important d'aller vraiment mettre ton pied au centre de la planche. Les trucks vont vraiment aller d'un côté comme de l'autre, fait que ce qui va te permettre vraiment de pouvoir tourner facilement, comme sur un surf, quand tu te promènes avec ta planche. Le surf skate, à qui je conseille ça? Moi, je vous dirais que je conseille ça vraiment à toutes les gens qui font du surf, ça c'est sûr et certain, c'est trippant au bout. À toutes les personnes qui veulent essayer surf skate, je vous conseille fortement d'aller voir le site internet surfskatecanada.com. Comme ça, vous allez pouvoir soit commander le produit ou vous allez pouvoir voir aussi des vidéos promotionnelles sur le produit, comment que ça fonctionne. Puis je vous incite à aller voir ça, c'est vraiment trippant. Un beau produit à voir.